life. I'm talking fake ass motherfuckers. Fuck, he thought money got shot and left the hospital. Niggas ain't motherfucking when? What month? What motherfucking month? How the fuck talk about that and shit? What the fuck do these niggas live with all this shit be going down? You wanna know how I did this shit? You wanna know how real my shit is? Nigga, go read the motherfucking newspaper, you trick ass nigga. How many broke damn rappers got some shit to say? I sit and strategize in due time when bitches pay. Plus all day I puff weed till my eyes be red. Undercover tactics, leave my enemies dead. Check this, I know you niggas got no love for me. But how the fuck your whole clique turn the thugs on me? Like misdemeanors, it's a small thing. You niggas ain't ready for war, let my balls hang. Bust it, I took a part of the now won't you just sit on me before you try to take another one of my folks. Took their breath so they choked, and I know I did a lot of dirt with grand said it wouldn't hurt. My death is coming cause I'm gonna smell it when I work. Did you see? Bonjour monsieur. Dites-moi, elle accélère plutôt gentiment votre voiture? Bien sûr, c'est la Renault 21 de litre turbo. Ah, bien sûr! 175 chevaux, tout est géré par l'électronique. Freinage ABS, bien sûr. Bien sûr. ABS, bien sûr. Mesdames et messieurs, l'avion de chasse français. La Renault 21 de litre turbo, mesdames et messieurs. 1987-1993. C'est important pour l'automobile français. Cette voiture, on a eu la CX Turbo GTI à l'époque, qui commençait à s'intéresser un petit peu aux autoroutes, aux autobahnes allemandes et aux véhicules allemands. Mais celle-ci, c'est celle qui a fait flipper tous les Allemands. Tu vois, même Goebbels, il s'est dit merde. En fait, le truc, c'est que avec cette voiture, Renault a clairement affiché son état d'esprit. Attaquer les Allemandes chez elles sur l'autobahn. 2 litres d'ouvrain, moteur 2 litres d'ouvrain. On en parlera après, mais là, on va présenter quand même l'esthétique. Les feux jaunes à l'ancienne. Renault 21. Alors, on va faire le tour un petit peu de la voiture. Mesdames et messieurs, celle-là, c'est une phase 2. Pourquoi c'est une phase 2? C'est une phase 2 pour des choses, déjà, au niveau de la carrosserie, on reconnaît tout de suite. Au niveau du aileron, les phases 1, on a les ailerons qui sont collés directement sur la malle. Le dessin arrière au niveau des feux. Elle est de 1990, celle-là, elle est toute noire. Version noire, c'est rare. Il n'y en a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. Celle-là, mesdames et messieurs, c'est 175 chevaux. 2 litres, turbo, taille 3, Garrett. Tu vois comme c'est rustique. Regarde la taille des portes. À l'époque. Regarde. Alors celle-là, mon frère, il faut que tu montres. C'est une phase 2 parce qu'on a l'ordinateur de bord ici. On a la climatisation. On a le chauffage. C'est en version digitale. Aïe, 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 aïe. Wallah, c'est toute mon enfant. J'en ai eu deux. Big dédicace à Mohamed Ziam. Mohamed Ziam, c'est un grand de mon quartier qui nous a donné l'amour de ces Renault 21 de litre turbo. Wallah, il avait un œil crevé. On revenait de Bourgoin-Jallieu, on est allé voir des vaches. Il était à 2,40 sur l'autoroute. Oh, mon Hachem ! Non, voilà, non. Alors moi, j'en ai eu deux, dont une noire, comme ça, avec un cuir noir. Et viens, on va te montrer la matrice. Pourquoi ? Ah, il casse les coups. T'as un frère, tu es. Salam, frérot. Où tu vas ? Oui, tu vas rentrer dedans. Je vais faire une marche arrière. Là. Ah, marche arrière, d'accord, frérot, parce qu'on pensait qu'on on te gênait ou... Allez, impeccable. On reprend où? On va vous montrer la bouilloire, parce que c'est une bouilloire, ça. À la base, on a quoi? On a un 2 litres, ce qu'on appelle un 2 litres d'ouvrain. C'est le 2 litres qu'on retrouve sur la TXI, sur la GTS. C'est un 2 litres honnête, 110 chevaux, je crois, de base. Il est honnête, travailleur et archi-fiable. Qu'est-ce que Renault ont fait? Ben, ils lui ont greffé un turbo qu'on voit ici, là. Taille Garrett, taille 3, turbo Garrett, mesdames et messieurs, pour ceux qui connaissent, voilà. Alors, viens, j'aimerais te présenter une chose aussi qui est très importante. Nous, à l'époque, juste une clé de 10 suffisait pour faire gonfler le souffle du turbo, pour que l'aiguille, elle tape encore plus. Juste, tu l'ouvrais à la main déjà. Après, bien sûr, il y en a qui font des préparations dessus. Ils mettent des overboost ou ils mettent des swaps ou des sweeps ou les ou la je sais pas quoi. Ils arrivent à en sortir 230 chevaux, mais c'est inconduisible. Alors,
Et ce qui est très très important de savoir, c'est que cette voiture, pour moi, est l'aboutissement de Renault Sport. C'est-à-dire, pour moi, niveau sensation, niveau historique et niveau fiabilité, c'est très important. La Renault 21, c'est dur comme du chien. Tous les moteurs Renault 21, je pense au fameux 2 litres 1 turbo diesel que nos parents avaient tous. Nos pères y rentraient avec Oblet, Gala 12, les Nevada, vous vous rappelez? Donc celle-ci, c'est un mythe, c'est une légende et c'est la réponse française aux berlines allemandes qui mettaient la trique électrique au début des années 1990. Et je te le garantis, vous allez voir la pub. Bien sûr. Je vous le garantis que même les Allemands en avaient peur. Même les Allemands, ils se sont dit, là, le Frankreich, ils sont sérieux. Et c'est du sérieux. Alors, mécaniquement, qu'est-ce qu'il faut surveiller dans cette voiture? Ce qui est très, très important, c'est de respecter les temps de chauffe. Le turbo, il se graisse au début et à la fin. Donc, quand tu as mis la frappe, les connaisseurs sauront qu'il faut attendre 30 secondes, voire une minute, avant d'éteindre le contact, c'est très important. Toujours la faire monter en chauffe avant de mettre des frappes. Qu'est-ce qu'il faut surveiller? Le circuit de refroidissement. Tout ce qui est refroidissement, Renault, il y a un petit problème avec ça, parce que ce moteur, il chauffe vraiment. Vraiment, parce que franchement, le turbo, des fois, le turbo, tu peux le voir rouge. Hein. Des fois, le turbo, quand tu as mis des frappes, il est rouge. Hein. Et il faut absolument surveiller tout ce qui est vase d'expansion, tout ce qui est durite, qui sèche à cause de la chaleur. Tous ces petits durites qui te cassent les burnes, elles peuvent faire péter ton moteur. Il faut juste surveiller le refroidissement dans cette voiture-là. Sinon, mécaniquement, c'est archi fiable. Bien évidemment. On va aller faire un tour? Putain de merde. On va aller faire un tour? Voilà, les frères. C'est moi, quand je suis monté dedans, c'est les années 90. Je serai là pour couvrir ton épaule. Oh là là! C'est... Pouh là là! Souviens-toi des années 90! Luc, dédicace à eux. On va aller faire un tour, mesdames et messieurs. Juste avant. Barakallahu fi, au frère. Givor 69700. Vénitieux, Givor, de toute façon, on a toujours été voisins. Ouais, ouais. Bah ouais, quand ça remonte du sud, ça s'arrête à Vénitieux et à Givor. Exactement. Vrai ou faux ? Et ça dispatche là-bas après. Voilà. Alors, bien sûr, on est avec le frère, merci beaucoup. En espérant créer une grande famille comme ça, TH Youngtimer, il m'a contacté, Bassem, j'ai une Renault 21 de litre turbo, j'en ai fait renverser mon café, c'est pour ça que je suis venu à l'heure d'aujourd'hui. Rabbi Hafdek, frérot, merci beaucoup d'être avec nous. Il n'y a pas de souci. Et ça fait plaisir de voir des passionnés aussi. Et puis, comme pour la TH Bike, alhamdoulilah, on va réunir, on tient à vous dire qu'on va réunir dans un salon chez Driss Zedenka, on va faire une manifestation Youngtimer où tout le monde sera invité. Bien évidemment, c'est très important. Et frérot, merci de ta disponibilité. Pas de problème. Et nous, on a voulu tourner la nuit et sous la pluie pour entendre le bruit du turbal. Barakallahu fik, frère. Merci. Impeccable. C'est bon, Pochon? Allez, on y va. R21 2 litres turbo. Putain de merde. Quand je conduis cette voiture, je sais pas pourquoi, dans ma tête, il y a le son de Niagara qui revient. Et je dois m'en aller. Mais je dois m'en aller. Je ne veux plus t'aimer. Je ne veux plus t'aimer. Big dédicace à Blin. Blin, c'était mon voisin. C'était un blanc. Alors, c'est pas péjoratif quand je dis ça. C'était un blanc. Tous les rats de Vénitieux, ils l'appelaient pour venir brancher des voitures. C'était le seul à pouvoir démarrer de 750. Les gens, ils vous diront, c'était mon voisin. Voilà. Et lui, il en avait une. Et rien qui mettait ça. C'était vraiment le... Je vais pas dire le beauf, mais c'était vraiment, voilà, quoi, le Lulu, quoi. Tu vois, la nuque longue, le... Ah oui, oui. Il emmenait sa femme, elle mettait des grandes bottines pour aller au supermarché. C'est un charme, hein, les gars. Ouais. Alors, dites-vous bien, mesdames et messieurs, même la gendarmerie nationale en avait une. Nous, on s'est fait contrôler à Chambéry, avec. C'était en 2001, je crois. Elle était garée sur le côté, wallah l'adim, on a parlé aux gendarmes. Elle était pucée, mais pas les puces, les puces que t'achètes sur eBay. Renault Sport, les frères, 230 char. Aïe, aïe, aïe. Toute mon enfance, c'est toute mon enfance. Et ouais, VR6, R21 de litre turbo. Tu vas regarder ça. Un aspirateur, wallah, c'est un aspirateur. C'est démoniaque comme 30 ans plus tard,
t'as encore des sensations dans ces voitures parce qu'elles sont pas aseptisées. Les portes, elles sont toutes fines. Ah, c'est une carrosserie R21. C'est-à-dire, on n'a rien changé dedans, hein, comparé aux voitures de série. Hein. On a juste greffé le turbo. Alors, bien sûr, il faudrait qu'on parle un petit peu de la finition Renault. Sur la R21, c'était une catastrophe. C'était catastrophique. À l'époque, Renault, dans les années 90, il s'en branlait complètement de la vie à bord. Alors, qu'est-ce qu'il foire dans Renault ? Ben, tout ce qui est électrique, les vitres électriques, les rétroviseurs électriques, ainsi de suite. Donc, au niveau de la finition, Renault pêchait beaucoup, mais j'ai l'impression qu'il s'en foutait. Mais c'est quoi l'histoire de Renault, Bassem, par rapport ? L'histoire de Renault, voilà. Louis Renault. Est-ce que Louis Renault, on peut le considérer comme un traître ? Parce qu'il y a débat autour de lui, comme un peu sur le maréchal Pétain. Est-ce que le maréchal Pétain a sauvé la France ? Est-ce que le maréchal Pétain a donné la France ? Louis Renault, c'est exactement pareil. Il faut que tu saches, frérot, qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que chez Renault, il y a eu trois dates. Il y a eu, au commencement, je pense, 1895, jusqu'à 1945. C'est ce qu'on appelait la régie Louis... Enfin, c'est ce qu'on appelait Renault, Louis Renault. Ensuite, il y a eu la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, et c'est là où le bât blesse. Parce que Louis Renault, ses usines ont été réquisitionnées par la Wehrmacht et la Luftwaffe, l'armée de l'air allemande et l'armée de terre allemande, a été réquisitionné pour faire des chars. Et on dit que Louis Renault a fait partie de la collaboration nazie. Et pour le punir, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, on a privatisé son entreprise, qu'on a rendue nationale et qu'on l'a appelée la fantastique Régie Renault. 1945-1992, si mes souvenirs sont bons. Ou je crois même un peu plus tard. Pourquoi je dis 1992, frérot ? Parce que 1992, c'est le fabuleux site de l'île Seguin à Renault, là-bas, qui avait fermé. Cette fameuse usine sur l'île Seguin à Paris, vous la connaissez tous. Elle a fermé. Et à l'époque, c'est là-bas où la maison mère. Alors, les Renault 21 de l'iTurbo, je ne sais pas où elles étaient préparées. Est-ce que, comme les Safran Biturbo, elles étaient envoyées en Allemagne ? Ou est-ce que c'est chez Renault qu'on faisait ça ? Je compte sur vous pour me dire dans les commentaires, hein, mesdames et messieurs, c'est très important ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, Renault a changé, ainsi de suite. Maintenant, ils sont dans les voitures écolo et tout le reste. Mais le turbo et Renault, le turbo compresseur, c'est une histoire d'amour. C'est la seule voiture qui a répondu présent. 175 chevaux d'in, mesdames et messieurs. Alors, nous avions aussi une version Quadra qui était un peu plus lourde, 4 roues motrices, un peu comme la VR6. Et pour vous dire la vérité, la Quadra, les gens ne sont pas... Les puristes, ils préféreront les premières phases de Renault 21 qui vont de 1987 à 1989, je crois, qui a eu un renouvellement en 1989. Regarde, hein, c'est sobre, hein, c'est sobre, bien sûr, mais la finition, elle pêche. La finition à l'intérieur, tout ce qui est électrique, tout ce qui est... Ça pêche vraiment, mais ils ont fait... Mais est-ce que celle-là a des similitudes avec la 309 GTI ? Absolument pas. Rien à voir. Là, on est dans un turbo, dans un moteur turbo compressé. C'est-à-dire, on va le voir. Là, on va le voir ensemble. Là. Il y a toujours une réponse avant que le turbo se lance. Généralement, ici, 2500 tours minutes, ça commence à pousser. 4000 tours minutes, ça pousse fort. Mais le problème de ces voitures-là, c'est qu'elles s'essoufflent très vite. Donc là, on regarde un petit peu. On va faire une entrée de périph. On est en troisième, hein. On va fermer les fenêtres. Ah, c'est... Et en plus, hein, il pleut là. Hein. Les gens te diront, hein, ne jamais rouler en R21 de l'iTurbal quand il pleut. Jamais, jamais. Mais qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Il y a une façon de conduire... Eh bien sûr, mon frère. Ces voitures-là, il faut leur donner du souffle à chaque fois. Regarde un exemple. Filme le compteur de turbo, frérot. Donc là, on est en quatrième. On va rétrograder. Donc, ça ne sert à rien d'appuyer, écraser la pédale d'accélérateur. Non, il faut jouer et donner du souffle. Tiens, regarde. On désaccélère, on redonne du souffle. Hop, on redonne... Voilà, c'est comme ça qu'il faut la conduire, celle-là.
Aïe, 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 aïe. Hein, cette sensation des années 90. Aïe, 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 aïe. Les gars, je me languis de conduire ces voitures-là. Je te jure que c'est un honneur. C'est un honneur parce qu'on aime les véhicules, on est des youngtimers. Et je te le dis, des voitures comme ça, ils n'en feront plus. La dernière voiture qui a eu cette sensation chez Renault, tiens, c'est la Mégane RS, la première Mégane RS. La première Mégane RS qui avait 220 chevaux, si mes souvenirs sont bons, c'était un 2 litres turbo aussi, qui avait les mêmes sensations. Ce qui est super chez Renault, c'est la boîte à vitesse. Elle est super bien étagée. Vraiment bien étagée. Pour comparer avec Golf VR6, parce qu'on les comparait souvent, je peux te garantir que ça, c'est pas un problème. La boîte à vitesse, tout est super bien étagé. Tout tac, tac, tu retrouves tes vitesses, c'est à portée de main. Non, les ingénieurs, ils ont bien travaillé dessus. Très, très bien. Je savais pas qu'il existait une Renault comme ça, frère. Pour moi, c'est une Safra, tu la vois. Pour moi, tu sais quoi ? Ouais, c'est une voiture de Paps. Ouais, voilà, moi, je la connais pas. Je dis, c'est une Renault collection. Non, j'imagine pas qu'il y a une telle turbale comme ça dedans, tu vois. Attends. Regarde, on va laisser. En fait, tu sais, quand tu t'en rends compte, c'est dans ces routes-là. Regarde bien. Vas-y. Regarde, là, on est. Je mets la deuxième. Regarde bien, attends qu'elle se charge. J'ouvre bien. Voilà, c'est du délire. C'est quoi? Mais il pleut, c'est très dangereux. Où est-ce que tu veux que j'aille? À gauche. Ils étaient très très fous, Renault. Non, mais c'est très très dangereux. Quand il pleut, c'est très dangereux. C'était un peu pour les papas pressés, celle-là aussi, tu vois. Wallah l'adim, je mets pas la frappe. Parce que le train avant, il part. C'est les maladies de Renault, ça. Le train avant ne supporte pas la puissance. Mais qu'est-ce qu'elle marche. Ah, frérot, il l'a bien entretenu, le frérot. Wallah l'adim, franchement, il respecte les voitures et c'est très bon, ça. Ouh là là. Ouh là là. C'est... Non, c'est son amortisseur. Viens, va... Frère, ton amortisseur, il faut que tu le changes vite. C'est la coupelle d'amortisseur, je me rappelle. Allez. Frérot, petite question, où tu l'as acheté? Je l'ai acheté en Haute-Savoie. En Haute-Savoie? Personne, un collectionneur. Un collectionneur qui a pas mal de pépites. Non, de quoi? C'est une première main, c'est bien. Deuxième main. Deuxième main, donc il y en a une deux avant toi. Ouais. Alors, ce qui est très important, c'est que... À combien tu l'as touché, ça? Moi, je trouve que je l'ai payé à... dans la fourchette, 10 euros. Sur les prix. Ces voitures-là, sache que des bonnes, elles tapent de 15 à 20 ans, à peu près. 10, c'est les prix d'aujourd'hui. Comme d'habitude, vous allez me dire, c'est discret. Moi, la mienne que j'ai achetée, la première, je l'ai achetée 1600 euros. Et la deuxième que je l'ai achetée, elle était un peu plus gonflée, 2200 euros. Te dire, avant, ça valait absolument rien. Au début des années 2000, ça valait absolument rien. Bien sûr, parce qu'on était passé en multi-soupape, ainsi de suite. Donc elle a décoté grave. Aujourd'hui, déjà en noir, elle n'est pas probable. Tu n'en as pas beaucoup, je sais. Gris, blanc, beaucoup. Mais noir comme ça, voilà. J'en ai vu plus, mais un jour, j'ai été dégueulasse. Rouge, elle était dégueulasse. Donc, et aujourd'hui, c'est quoi l'utilité que tu as et l'usage au quotidien? En fait, si tu suis moi, tu as plaisir, ça sert, et puis il y a un. Bien sûr. Merci d'avoir bien baisé. Et tu l'as eu? J'ai pas hésité. Veni Vidi Vici, tu l'as vu, t'es venu et t'as vaincu. J'ai vaincu, exactement. Oh là là, frérot, j'ai envie de te dire, c'est toute une nostalgie ça. C'est des trucs qu'on fait plus et qu'on fera plus jamais. Même si vous pouvez rajouter 1000 chevaux dans vos mégales, sachez bien que on n'aura pas la même sensation qu'on a dans une Renault 21 de turbo. Tout simplement pour vous dire. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit « Bassem, tu devrais essayer la Safrane Biturbo. » C'est un oignon. La Safrane Biturbo est un oignon comparé à la Renault 21 de Biturbo. Ça n'a rien à voir. Certes, Biturbo, 268 chevaux, préparé en Allemagne, mes couilles, mais niveau sensation, rien à voir avec ça. Renault, Super 5 GT Turbo, R21 de Biturbo. Même la Renault 18, même la Renault 11, elles n'ont pas les mêmes frappes comme elles ont celles. Surtout celle-là, 160 cachets. Frère, en tout cas, merci encore. Merci.
Merci de nous ramener ces voitures-là. Faites comme le frère, venez nous contacter. Vous avez le contact là. Vous avez le contact pour venir nous présenter vos véhicules. On les respecte, on les bichonne comme vous les bichonnez. Et puis, il y a une chose qui nous rejoint, c'est l'amour des véhicules. Et c'est l'amour de la mécanique. Et cet amour de mécanique et de véhicule n'a pas de frontières, n'a pas de couleur. Et surtout, c'est un gros cœur comme ça. Salam alaikum, les gens.